Factory Studio. Hi. Malibu. Battre sa position officielle na Bissau. Les hommes de service des renseignements ont battu une trappe pas na Bissau. Ma stratégie n'a été Toyokani. Toyokani, madame. C'est tout la libanda, ma bête, madame. Bande Kolangaï. Et ça qui n'a place publique, c'est basé un argument mon côté. Oh, bah, tu n'as qu'à avancer. Oh, et tu n'as qu'à. Mille. Paix, église. Et vous, quoi, nous commettons. Même nous devons commenter la recherche. Bande quoi, la société civile. Et c'est le même de la. Mais quand même, ce sont les gens qui ont été en tout Congolais. N'a quoi qu'on ne voit pas. Maîtriser Nani dans ma boulot, la RPC. Banda Mbouchi. Prier la Sakania. Nous serons les acteurs. Kabila, Akadabisa, Asaï. Ce sont les Rwanda. Des balisateurs. Bateau sérieux. Au lieu. Je crois que tout comme pour les gens qui ont été sautés. Donc, le Congo, comme on a été en train de faire. Économique et sociale qu'il a cyniquement provoqué pour demeurer au pouvoir en violation de la Constitution de la République démocratique du Congo et contre la volonté du peuple. Les délégués sont repris sur la liste de participants annexés par le discours de son président, M. Félix Tshisekedi, qui est, avec la complicité des sieurs et d'Emel Kodjo, facilitateur de triste mémoire afin de donner à Joseph Kabila un troisième mandat présidentiel que la Constitution lui interdit pourtant. Grâce à la participation active de l'écrasante majorité des Congolais et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale, ces pressions et actions ont permis de faire échec à la conspiration diabolique ourdi dans l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016 contre le peuple congolais par la majorité présidentielle et ses alliés, avec la complicité des sieurs Edem Kodjo, facilitateur de tristes mémoires, afin de donner à Joseph Kabila un troisième mandat présidentiel que la Constitution lui interdit pourtant. Cependant, afin de préserver notre peuple contre un nouveau bain de sang que le pouvoir s'apprêtait à faire couler impitoyablement une fois de plus, et de donner la chance à une sortie pacifique de la crise, le rassemblement, fidèle à sa règle d'or de non-violence, a dû souscrire sans capitulation ni compromission à la tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif sous la garantie de la communauté internationale et l'a imposé à Joseph Kabila et à ses alliés. Tel est le sens profond de la démarche du rassemblement en s'impliquant sans complaisance et en toute lucidité dans les négociations politiques au centre interdiocésain de Kinshasa. Ces négociations et définit les objectifs à poursuivre. Le discours du président du rassemblement a été suivi par des déclarations des chefs des délégations des composantes. Les différentes interventions ci-dessus ont fourni aux participants
les matériaux utiles à l'analyse rigoureuse de l'état de la nation et les pistes de solutions à suivre pour sortir le pays de l'impasse politique et lui éviter un chaos généralisé. Les participants en expriment toute leur reconnaissance aux intervenants ainsi qu'à leurs organisations politiques et sociales respectives. Par ailleurs, ils ont rendu un vibrant hommage à Étienne Tshisekedi wa Mulumba, père de la démocratie congolaise et combattant modèle de la liberté ainsi que de l'état de droit. Les rafles de jeunes, les condamnations pénales à la sauvette de plusieurs manifestants dans la pire tradition des régimes tyranniques. Le rassemblement tient à renouveler ici à la nation congolaise son serment de ne pas laisser impunis les auteurs de l'écoulement du sang de tous ces martyrs de la démocratie. Le rassemblement renouvelle son serment de faire dédommager leurs familles en temps opportun et d'honorer leur mémoire en protégeant, quel qu'en soit le prix, l'ordre politique issu du dialogue intercongolais de Sainte-Cité et la constitution du 18 février 2006 qui le porte. C'est dans cette perspective que le rassemblement n'a cessé d'intensifier les pressions internes sur Joseph Kabila et de mener des actions diplomatiques pour le contraindre, ses alliés et lui-même à respecter la Constitution, à libérer le processus électoral et à mettre fin à la dérive dictatoriale. Grâce à la participation active de l'écrasante majorité des Congolais et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale. Ces pressions et actions ont permis de faire échec à la conspiration diabolique.